Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Funko Pop et plus précisément du site popinobox.fr. Si vous êtes fan de ces petites figurines, je pense que vous avez déjà entendu parler du site popinobox.fr. Donc c'est un site qui propose des box mensuelles entièrement dédiées au Funko Pop. Donc je vais vous lire directement le site. Pop in a Box, c'est votre abonnement mensuel de pop vinyle. Choisissez un abonnement, choisissez le nombre de pop que vous voulez et elles arriveront directement chez vous tous les mois. Grâce à notre tracker pop, vous pouvez nous dire quel pop vous avez déjà, quel pop vous voulez et quel pop vous ne voulez pas recevoir. Grâce à cela, vous ne recevrez jamais de doublons ou de pop dont vous ne voulez pas. Nos abonnements ont été développés par des collectionneurs de pop pour des collectionneurs de pop. Donc voilà le principe et je trouve que c'est vraiment une super bonne idée parce que souvent quand on souscrit à des box mensuelles, eh bien ça peut arriver d'avoir des doublons en termes de pop et ça m'est déjà arrivé et puis notamment aussi de recevoir une pop que j'avais pas spécialement envie. Donc voilà, c'est vraiment un super principe et sachez que vous pouvez également acheter des pop à l'unité. Voilà, s'il y a vraiment une pop qui vous intéresse, vous pouvez l'acheter sur leur site. Alors je vous parle de ce site tout simplement parce que je suis maintenant en partenariat avec eux, donc ça me fait plaisir parce que je suis leur première partenaire française et ça me fait extrêmement plaisir. Donc on a commencé à discuter donc avec Joseph, donc Joseph si tu passes par là, eh bien je te remercie encore. Donc tous les deux on a commencé à discuter je crois pendant les vacances et il m'a dit bah écoute, eh bien ce qu'on peut faire c'est que je vais t'envoyer, enfin tu vas choisir 10 pop sur notre site internet et je vais t'en envoyer 5. Et donc c'est ce qu'il a fait et j'ai tous les colis juste là. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai des petites surprises pour vous. Alors sachez bien sûr que j'ai reçu ces produits gratuitement mais je ne suis pas payée, hein. On est d'accord. Le premier colis est juste là comme ceci et franchement, je me souviens même plus de ce que j'avais mis dans la liste. Bref, on verra bien. J'ai trop hâte. Donc à l'intérieur, il y a des petites protections comme ceci. Alors voyons voir. Oh, c'est trop bien! C'est trop bien. Donc la pop est protégée également dans du papier bulle. C'est donc Harley Quinn Imposter, puisqu'en fait elle est en costume de Batman. Donc c'est pour ça qu'ils mettent Imposter, elle est trop jolie. Et comme vous le savez, je suis fan d'Harley Quinn, donc c'est trop bien. Donc dans cette collection, vous avez le pingouin, double face, l'épouvantail, The Riddler. En anglais je sais plus, enfin en français je sais plus, bref vous avez Poison Ivy et donc ils sont tous en fait, ils ont tous le costume de Batman, donc ce sont des imposteurs. Et ah, elle est super belle, franchement elle est trop bien faite. Je passe au deuxième colis, youp, qui est juste là. Donc, avec des, pareil, des coussins d'air comme ça, avec des bulles d'air, des grosses bulles d'air. Et il y a donc trois boîtes comme ceci. À l'intérieur, il y a les pop. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer la pop à l'intérieur. Youp, youp, youp. Ah, je m'en souvenais pas du tout, franchement. Ah, trop bien. Trop bien. C'est donc elle est aussi protégée avec du papier bulle. Donc, c'est Will dans Stranger Things. Une série que j'aime, vous le savez, c'est une de mes séries préférées. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Donc il va compléter le reste de la collection qui est juste là. Ensuite, autre boîte. C'est vrai. Donc ça se prend comme ceci. Donc c'est Mickey Mouse. Et c'est vrai que je lui avais demandé en fait parce que Flavien est un très grand fan de Mickey, beaucoup plus que moi. Et c'est trop bien, c'est trop bien, elle est trop bien faite. C'est trop bien. La troisième qui est juste ici, en tout cas c'est super bien protégé. Je vais essayer de ne pas regarder et de l'enlever. Ah, trop bien, c'est Bella. C'est Bella en robe de mariée, donc wedding dress en robe de mariée. Oh là là. Je regarde derrière parce qu'il y a même les détails de sa robe, puisqu'elle a un dos en dentelle, et il y a même les détails.
Oh, elle est trop belle. Et du coup, eh bien, elle va aller tout de suite à côté d'Edward, là-haut, en costume de mariée également. Oh, j'adore. Je suis trop fan. Et la troisième pop, elle est dans ce carton-là. Alors, je ne regarde pas. Donc là, encore une fois, il y a du papier bulle, donc je vais essayer de l'enlever sans regarder, et vous allez la voir avant moi. J'enlève le papier bulle, qui est juste là. Alors, le haut, il est où? Ah, il y a une étiquette dessus. Il me semble que oui. Hop! Vous la voyez, hein? Je suis sans voix. C'est Deadpool Venom. Oh, je la trouve trop canon. Donc c'est une exclue Pop in a Box. Ah, elle est trop belle! J'en reviens pas parce que... ouais, j'en reviens pas du tout. C'est vrai que je lui avais précisé que j'aimerais, que je voulais la voir. Sauf que, eh bien, comme elle n'était pas encore sortie, je lui avais donné d'autres... Enfin, précisé d'autres pop. Et... Pouah, elle est trop belle. Donc d'un côté vous avez Deadpool avec son katana, de l'autre vous avez Venom avec sa main comme ça un peu crochue. Oh, elle est canon, elle est canon. Je tenais vraiment à vous remercier Pop in a Box, et aussi à toi Joseph, vraiment un très grand merci. Elles sont toutes trop belles. Donc maintenant je vais passer aux petites surprises pour vous. Donc déjà pour commencer, j'ai un code promo pour vous qui sera valable pour tout nouvel abonnement. Donc c'est FannyPop15 qui donnera 15% de réduction pour tout abonnement. Je passe maintenant au concours et je suis trop contente parce que je viens d'avoir l'aval de Joseph. La pop que je vais vous faire gagner est disponible, elle est toujours en stock, donc c'est trop bien. Donc il y aura une gagnante ou un gagnant qui donc gagnera cette pop. Oui, Deadpool Venom exclu Pop in a Box, et donc ce sera le site qui enverra cette pop directement au gagnant ou à la gagnante. Donc toutes les conditions de ce concours sont marquées en barre d'information, donc surtout respectez bien toutes ces conditions et le concours est ouvert jusqu'à cette date là. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce concours vous plaît, ainsi que le code promo. En tout cas, moi ça me fait extrêmement plaisir, et voilà, je tenais encore à remercier Joseph et le site Pop in a Box. Et voilà, donc sur ce, eh bien, je vous fais donc tout plein de bisous, et je vous dis à vendredi prochain pour une vidéo annonce. Voilà, bye.